If you don't have a car and you're walking, oh yes, I'm talking to you. If you're living at home with your mother, oh yes, I'm talking to you. Wanna get with me, but with no money, oh yes, I'm talking to you. Wanna get with me with no money, oh no, I don't want no scrub. No, 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 no. Scrub is a guy who thinks he's fly. Et on s'était décidé avec Cédric, mon frère, d'acheter un peu plus grand et d'acheter à deux. Donc on a fait un GFA pour acheter le foncier. Et on voulait bien deux cours distincts pour pas se marcher dessus et pas s'engueuler, avoir les inconvénients de s'engueuler quand on travaille ensemble. Donc lui a sa partie d'exploitation à l'entrée du hara. Et moi, mon autre partie avec mes box, mes paddocks aussi, dans le fond du hara, dans le bas. Et donc on a la piste en commun, le marcheur, et ça nous permet de jeter un coup d'œil l'un sur l'autre quand il y en a un qui est parti aux courses ou de faire des camions en commun tout simplement quand on va aux courses au même endroit, quoi. Donc c'est composé de deux lignes droites qu'on a refait au fur et à mesure du temps quand on est arrivé. Donc deux lignes droites de 1200 mètres, une en terre, une en sable. On a essayé de faire un sol vraiment spécifique. On a mis du plastique, du sable drainant, du sable de marteau qui est comme un sable de mer, ce qui fait que quand il pleut, c'est vraiment la plage. On a une piste qui use pas le pied, qui use pas les articulations. C'est quand même difficile d'exploser un cheval à la maison avec la ligne droite qu'on a fait, le plastique en dessous pour amortir les chocs. Et c'est une piste qui nous a coûté une blinde, mais au final, on l'a payé à deux. Donc ça nous aurait coûté une piste chacun en vigna toute simple si on n'avait pas acheté à deux ensemble, quoi. Et puis il y a une autre petite piste de 800 mètres, donc là on est dessus, qui était existante, qui était une piste de galop quand on a acheté, qu'on sert plus pour chauffer, détendre les chevaux, avec un petit bout de ligne droite de 500 mètres. Ça nous permet de l'échanger un petit peu de piste au besoin. Et donc voilà, on a à peu près, je dirais, 20-25 paddocks chacun avec des cabanes et 25 box chacun. Donc on a 25 hectares. Hein. Et on est situé donc juste à côté de l'hippodrome du Sap. Donc on est entre l'ancienne nationale qui est une départementale maintenant qui fait Gacé-Bernay et l'autoroute A28 qui rejoint Le Mans à Rouen. Donc niveau accès routier, on est au top. On fait difficilement mieux parce que pour aller à Paris, on chope l'Aigle, le Dreux facilement. Pour aller dans le sud, on chope l'A28, on reprend Le Mans, après on dessert où on veut. Et pour remonter dans le nord, on reprend Rouen. Et effectivement, là, il y a les autoroutes partout qui nous ramènent sur la 13. Enfin, au niveau routier, on est vraiment à l'aise là-dessus, on peut aller un peu partout. Nico, un peu de sérieux. Hein. Est-ce que tu es d'accord avec les entraîneurs qui disent que les courses se gagnent le matin? Ah oui, c'est une évidence. C'est comme les sportifs de haut niveau, hein. S'ils sont pas au boulot à s'entraîner, il n'y a pas de danger d'aller en compétition et d'être compétitif. Est-ce qu'il t'arrive de temps en temps d'avoir un cheval qui travaille mal et qui l'après-midi se transcende? Non. Pour moi, ça, c'est des rumeurs. Ils peuvent être un peu plus efficaces et s'économiser un peu plus le matin. Mais qu'il y ait une si grosse différence entre les deux, non. Pour moi, non. Mon parcours professionnel. Alors, j'étais plus destiné à être marchand de bestiaux en premier lieu, parce que mon père est marchand de bestiaux. Et avec la crise de la vache folle, quand j'étais gamin, j'ai vite vu que c'était compromis, cette histoire. Et donc j'ai un oncle entraîneur, Gilles Lefroux, donc j'ai mon frère qui avait commencé le métier. Donc on a commencé à partir en vacances là-bas, puis on s'est pris au jeu. On a commencé à être mordu, donc mes parents n'étaient pas trop chauds pour que je fasse le métier. Et donc ils m'ont envoyé à Grosbois et directement chez Jean-Pierre Dubois. Donc là, un peu stressé, à 14-15 ans, je me suis dit, oula, j'ai pas le droit de me tromper chez Jean-Pierre Dubois, va falloir que je sois à la hauteur de la personne chez qui je vais travailler. Et donc bon, on a tapé dans la motte et puis ça s'est très bien passé. J'ai passé 6 années extraordinaires chez lui, il m'a tout appris, tout simplement. Et voilà, un petit peu navigué après à droite à gauche, en Mayenne, chez Louis Groussard, qui m'a apporté beaucoup, Pierre Allaire, Grégoire Well avec son père. Et parti un an aux États-Unis parce que mon frère est parti 10 ans, donc il m'a dit viens travailler un peu, c'est autre chose. Et donc j'ai passé un an là-bas aussi chez Carl et Rod Allen, qui avait Sierke Susie à l'époque, hein, qui était la jument la plus rapide en Italie.
Donc non, on a pas mal vadrouillé. Après, chez Jean-Pierre Dubois, j'avais besoin de bouger. Scrub is checking me and his game is kind of weak. And I know that he cannot approach me. Cause he's looking like trash, looking like gas. Can't get with a deadbeat. So no, I don't want your number, no. I don't want to give you mine and no. I don't want to meet you, no, and no. I don't want none of your time. I don't want no scrub. Scrub is a guy who can't get no love. Nico, la piscine, c'est indispensable pour toi ? Moi qui m'en sers maintenant, je trouve que oui. Je pourrais plus travailler sans. Maintenant, c'est pas indispensable. Il y a des gars qui gagnent des courses sans. Mais bon, ces gars-là, bien souvent, quand ils ont des problèmes, je pense à Rapide Lebel, ils l'envoient en thalasso, au balnéo, ce que tu veux. Nous, on a l'avantage de l'avoir sur place. Quoi. Ça sert à quoi, finalement ? Bah, écoute, un cheval comme lui, par exemple, on l'avait acheté aux ventes des Charmes. On l'a pas eu souple. Au final, on ne sait pas trop ce qu'il a eu. Il a dû avoir une entorse du genou. Il est tombé boiteux un mois après le travail, quand on l'a récupéré. Il a passé deux mois au box. Et donc là, ça me permet de le remettre en route sans faire de piste et en soulageant le genou. Donc ça va me le remuscler parce qu'il s'était totalement démusclé à passer deux mois au box. Donc ça m'avance le travail. Quoi. Est-ce qu'ils prennent dur quand ils nagent ? Non, mais regarde, par contre, ça leur travaille quand même le cœur. Parce que quand même, les chevaux, ils respirent dedans. Il faut faire attention de ne pas en abuser parce qu'on pourrait les faire saigner. Mais quand on l'utilise intelligemment, je pense que c'est plus bénéfique. Quels ont été les gros moments de ta carrière ? De ma carrière d'entraîneur, c'est la victoire de Trophy Charme dans le Saint-Léger des Trotteurs. Parce que... Pour les gens qui se souviennent, je l'avais annoncé déjà 8 jours avant que piste plate, corde à droite, on allait faire mal à Torrens Vedake si on était à portée de fusil en training droite. Au grand regret de cette course, que Torrens soit non partant une heure avant la course. Mais bon, bah c'est les courses. Hein. J'avais eu un petit mot avec Philippe après la course. J'étais quand même assez déçu pour lui, mais la joie avait pris le dessus pour moi, hein, pour ma part. Qu'est-ce qui t'a décidé à t'installer ? L'ambition. Je pense qu'on ne fait pas ce métier-là pour régresser ou stagner. Il faut essayer d'avancer, comme dans tous les milieux. Les gens veulent avancer et puis essayer de monter quelque chose et laisser une trace. Et puis, je ne sais pas si je suis fait pour travailler chez quelqu'un toute ma vie. Je n'ai peut-être pas le caractère pour ça. Justement, ton caractère, on peut en parler ? Ouais, on peut parler de mon caractère, c'est pas un problème. Non, les gens disent qu'il y a du pour et du contre, hein, j'entends tout. En général, on m'aime ou on me déteste. Les gens qui me détestent, j'aime bien entretenir ça parce que j'aime bien faire le tri dans mes relations. J'aime pas perdre de temps avec les gens qui n'ont aucun intérêt ou qui pensent à te faire régresser ou qui ont toujours le mot à l'envers pour te faire reculer. Ou... Je veux pas perdre de temps pour ça. On n'a pas le temps, la vie est trop courte. Et par contre, je sais où sont mes vrais amis, donc je suis assez serviable là-dessus et exigeant à la fois. Donc c'est pas facile d'allier les deux. C'est pour ça que le personnel bouge beaucoup aussi, parce que c'est vrai que je suis très exigeant. Mais en général, quand ils sont partis de la maison et qu'ils ont passé 6 mois ailleurs, ils se disent « Merde, on n'était pas si mal chez Rimbaud ». Nico, c'est important du bon personnel. Ah ouais, mais en ce moment, on est en panne de personnel. Alors justement, j'en profite. Tiens, tu tends la perche. Je cherche du monde pour débrouiller les poulains et puis il leur faudrait une personne pour les vieux chevaux, parce que là, ça commence à être la guerre. Et puis à ce train-là, l'entraîneur, il va pas tarder à faire une attaque cardiaque. Qu'est-ce que tu attends d'un salarié ? D'être très minutieux dans tout ce que tu fais, parce que tous les petits détails font la différence. Et je sais que moi je suis assez exigeant, mais c'est pas pour rien aussi que je récupère des chevaux de droite et gauche compliqués et qu'on arrive un peu à les sauver ou gagner des courses, genre Badiou du Châtelet, hein, c'était pas le plus simple, Al Capone. Je me suis fait une réputation de chevaux montés, mais ça s'est fait plus ou moins comme ça. Mais c'est surtout, je pense, les petits détails qui font la différence. Ouais, t'as la réputation d'homme de poulain, d'homme de chevaux montés, mais finalement, j'ai pas le souvenir que t'es une grande guerrière de jockey. J'ai couru une fois monté quand même, mais je crois que j'étais plus fatigué que le cheval à mi-parcours. Et je remplaçais Sébastien Leblon, qui monte plus d'ailleurs non plus, si les gens qui le connaissent, ils comprendront pourquoi. Seb, un petit bisou. Et non, je m'y suis pris au jeu avec les premiers que j'ai eus, Trophy, Sao Paulo.
Mais ce qui a fait ma force, surtout, je pense que c'est les jockeys que j'ai eu avec. J'ai toujours eu les meilleurs qui m'ont donné un coup de main, que ce soit Raffin, Nivard, Abrivard. Ces jockeys-là, même Carré, qui me dépanne, qui a une super main. Il est pas assez demandé, Jonathan, mais c'est vraiment un super jockey aussi. C'est quoi qui t'incite à mettre tes chevaux montés? C'est plus facile de prendre de l'argent monté? Ouais, je pense que ouais, la concurrence est moins rude. Moins rude, c'est un grand mot, parce que vous avez des écuries comme Garato, Leblanc, Philippe Allaire. Mais au moins, on arrive à grappiller les places derrière, et puis dans les semi-classiques, c'est pas négligeable. Quoi. Tes premiers propriétaires, tu les as trouvés comment? Eh ben, j'ai commencé à louer des box chez Michel Valeille, donc à Gaillon, à côté des Andelys. Lui est agriculteur, il avait une petite exploitation avec une petite piste et une quinzaine de box, avec quelques chevaux entraînés. Il avait des clients comme Guy Lefebvre, qui était le propriétaire de Leader Pellois à l'époque. Patrice Ripoll nous a rejoint, il n'avait pas eu de chevaux pendant quelques années, il s'était écœuré un petit peu et il avait rejoint mon effectif en m'apportant 2-3 chevaux. On a tout de suite eu de la réussite. C'est là que j'ai eu de la chance aussi. Hein. La première année, quand vous avez 2 chevaux pour gagner à Vincennes, Leader Pellois ou Lyon Sénonchois, 2 chevaux compris presque 100 000 en une année, ça aide la presse qui vient vous interviewer. Tout ça, ça aide et ça s'enchaîne assez vite.